C'est le plus grand prix pour les hôtels. Pour nous qui venons d'ouvrir juste le domaine de Fontenille, c'est un tremplin énorme. Donc ce prix de la meilleure atmosphère, ça nous touche beaucoup parce que chaque élément de la décoration, c'est Guillaume. Et chaque cadre, chaque couleur, chaque tissu, chaque matière, chaque meuble, nous l'avons choisi nous-mêmes. Cet hôtel a certainement des imperfections, mais au final, c'est pas grave, parce que c'est très cohérent, parce que c'est nous, c'est ce que nous sommes. Et dans la bibliothèque, vous avez des photographies du père de Guillaume, de la mère de Guillaume, de sa sœur. L'enjeu, c'est de revenir dans des choses qui sont très ancrées localement, qui sont pleines d'âme, pleines de saveurs. Nous avons été honorés. On a été très stressés, parce qu'à chaque fois, ça nous stresse à mort. Disons qu'on s'est dit que, vu le succès qu'on a eu cet été, forcément, il y aurait à un moment donné une récompense. Fontenille a une saveur qui est proche du mot villégiature, justement, qui a un côté un peu 19e. Et on a cette poésie à Fontenille qu'on peut trouver surannée et avec une douceur. Et samedi, on a reçu 4 tocs au Goemio et 17 sur 20 pour le restaurant gastronomique. Donc pour nous, c'est une très bonne semaine. Aujourd'hui, c'est d'être soi-même en fait. En tout cas, notre recette, ça a toujours été d'être nous-mêmes dans tous nos métiers.